Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une super belle année 2020. Là, on est le 6 janvier, donc, ça y est, les enfants sont retournés à l'école et moi, j'en profite pour prendre mon téléphone et vous filmer ma semaine de vlog à la savonnerie. J'attendais depuis un moment de pouvoir le refaire, mais avec les fêtes de Noël et tout le travail sur les marchés, etc., enfin, le mois de Noël. Ici, c'est enfin, le mois de décembre, en fait, c'est vraiment un mois un petit peu à part, et en fait, c'est pas vraiment propice au vlog, comme je vous le disais dans une précédente vidéo. Donc voilà, on se retrouve tranquillou, le calme après la folie du mois de décembre. Donc ça fait du bien de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce début d'année, et ben, on va attaquer tout de suite la semaine, hein, sans plus tarder. Alors cette année, j'ai un nouvel agenda pour me planifier en fait mes semaines. Donc je trouve ça vachement bien parce qu'effectivement j'avais ça sur feuille papier l'année dernière et c'est bien, mais au final je le laissais tout le temps à la savonnerie et là au moins comme ça je peux l'avoir avec moi tout le temps et puis c'est quand même vachement plus pratique. Et donc voilà, donc j'ai prévu beaucoup de choses cette semaine, donc on verra bien si je peux tout faire, sinon bah bon voilà, je suis en tenue. Donc ce matin, je fais un savon Lotus Bleu. Donc c'est un savon que je vous ai déjà filmé plusieurs fois en vidéo. Donc je vais vous mettre les liens tout simplement en barre d'infos si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir. Et je vais pas vous le refilmer, ça sert à rien. Par contre, je vous filmerai demain parce que demain je fais une édition limitée de mon ange qui, j'espère, va être jolie. On verra ça. Et puis, avec une petite surprise que vous n'aurez pas tout de suite, par contre, vous l'aurez dans un mois. Et puis voilà, on y va, c'est parti. Et bien voilà, le savon Lotus Bleu est terminé. J'ai terminé ma vaisselle, j'ai rempli ma fiche de fabrication et il est, comme vous pouvez le voir derrière, 11h15. Voilà. Alors nous sommes mardi et aujourd'hui donc je fais comme je vous disais tout à l'heure l'édition limitée de mon ange. Donc je vais vous montrer tout de suite.
Je vais donc préparer tous mes ingrédients. Ça, je ne vais pas tout vous refilmer parce que ce n'est pas le plus intéressant. Je vous remontrerai le marbrage puisque c'est ça qui est intéressant à regarder. Je vais aussi donc préparer mon moule comme je vous ai montré donc tout à l'heure. Et donc je vais faire un marbrage pour ce savon que j'ai jamais encore tenté. Donc comme quoi tout arrive. Et j'espère que le résultat sera sympa. Et chose petit plus aussi que j'ai préparé, c'est ces petits diamants. Donc j'ai fait en fait des petits diamants bleus en savon que je vais mettre donc à la place des petites boules bleues de d'habitude. Donc c'est vraiment super joli. Donc voilà, puisque en fait vous l'aurez compris, l'édition limitée va s'appeler l'édition diamant. Donc voilà. Ah oui, et comme vous avez vu hier, un des nouveaux outils que j'ai, là je vais essayer celui-ci. Donc ça c'est pour le marbrage de surface, pour la décoration de surface, pour faire quelque chose de joli et de régulier. Donc là, hier j'en ai testé un, et là aujourd'hui je teste le deuxième. Donc on va voir ce que ça donne. Bon ben voilà, comme vous l'avez vu, le savon Mon Ange est terminé. Là j'ai commencé à faire tourner de la vaisselle, mais j'aurai encore beaucoup de ménage et de nettoyage à faire après déjeuner. Là il est 11h30 et j'ai une ou deux commandes fournisseurs à passer et puis après je vais déjeuner. Voilà. Il est 14h et j'ai reçu donc des lots de carrés démaquillants lavables qui est en rupture depuis 15 jours sur le site. Et là, je viens d'en recevoir donc deux nouveaux. Donc, je vous montre. Il y a le turquoise. Et alors, la nouveauté, c'est que c'est une nouvelle éponge. En fait, c'est une éponge qui est toute douce, qui est vraiment hyper, hyper douce.
C'est top pour les yeux et surtout elle reste douce même si vous ne passe pas au sèche-linge. Donc là la couleur va pas tellement ressortir parce que avec ma petite lampe on voit pas très bien les couleurs. Et il y a aussi gris. Voilà, avec une éponge grise. Qui est bien du coup pour les maquillages assez soutenus pour éviter que ça reste taché. C'est top. Donc là j'ai refait une série de photos puisque c'est des nouveaux motifs, des nouveaux produits que j'avais pas. Et donc je vais sélectionner les photos et puis les remettre sur le site en ligne. On est mercredi et aujourd'hui c'est donc le jour où je vais démouler et découper le savon Lotus Bleu qui a été fait il y a 2 jours. Et avant je voulais vous montrer, vous faire un petit tour de notre boutique. Je peux presque appeler ça comme ça maintenant parce que en fait, pendant les vacances de Noël, on a relooké en fait notre petit espace de vente là, juste derrière la savonnerie. Et voilà, je voulais en profiter pour vous montrer quelques images. Alors, vous attendez pas à du Valérie Damido, hein, parce que tout a été fait avec de la récup et pour moins de 200 euros au total. Donc voilà, ça reste du fait maison et du voilà, c'est. Mais on est content parce que bon, on s'est dit que vu qu'a priori on n'allait pas ouvrir une boutique sur les champs cette année encore, on s'est dit autant faire de ce petit espace un espace chaleureux. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc je vous montre tout de suite. Donc c'est un stand qu'on ouvre que le samedi matin de 10h à midi en fait pour les gens qui habitent principalement les Yvelines. Parfois il y en a qui viennent de plus loin mais en général c'est quand même les gens qui sont aux alentours. Voilà mon petit espace. Il est midi et là j'ai terminé de couper mon savon Lotus Bleu, il est mis à sécher et là je viens juste donc avant midi de libérer donc 2 lots de savon qui vont partir dans la boutique. Donc un charbon et un Lotus Bleu que j'avais fait donc il y a plusieurs semaines. Et puis après déjeuner, il va falloir que je fasse à peu près, donc il y en a à peu près un peu plus de 160. Donc il va falloir que je fasse 160 étiquettes après manger. Voilà, mais je vais d'abord reprendre des forces. Alors là, il est 4h de l'après-midi et donc ce midi j'ai avancé sur le montage donc de ce vlog. Là j'ai donc fini d'emballer tous les savons au charbon, enfin d'emballer, d'étiqueter. J'ai aussi donc étiqueté tous les Lotus bleus qui sont là. Et j'ai aussi fait donc des demi-savons pour refaire des box bientôt, puisque là j'en ai presque plus. Il m'en reste 2 et donc je pense que en fin de semaine ou la semaine prochaine j'en referai. Coucou, on est jeudi, donc ce matin je vais démouler et découper le savon Monange édition limitée que je vous ai montré mardi. Et avant ça, je vais faire un test de savon avec une nouvelle fragrance. Et donc pour ça, je fais un savon de 2 kg en fait, tout simplement, voilà, pour pouvoir
avoir une base de tests. Et puis bah, j'espère que ça va matcher, parce que ça fait quand même un moment que je fais des tests et que j'ai pas encore tout trouvé. Donc voilà, allez, à tout de suite. Salut, salut, on est vendredi, je viens de déposer les enfants à l'école. Hier après-midi, j'ai pas repris la caméra parce que... en fait, j'étais à la poste, à la banque. Et puis, après, je suis rentrée et j'ai fait des mails. Des réclamations fournisseurs pour des choses que j'ai reçues qui n'étaient pas conformes. Et puis, voilà. Donc aujourd'hui, je rentre là et je fais du shampoing solide. Et puis voilà, on se retrouve dans la savonnerie. Et pendant que mes beurres sont en train de fondre dans mon bain-marie, je perds pas de temps et je prépare 10 box. Donc voilà, les petits savons qui vont rejoindre les box. Donc c'est pas toutes les mêmes. Il y a du tropical, du charbon, même du fleur d'agave édition limitée. Et voilà. Bon bah ça y est, tous les shampoings sont là, sont terminés, et maintenant moi je vais aller terminer les box que j'ai commencé tout à l'heure. Et puis si j'ai un petit peu de temps avant manger, je pense que oui, puisque là il est tôt encore, je vais préparer toutes les commandes qui sont en retrait à la savonnerie pour donc des gens qui vont venir chercher demain matin. Donc voilà, je vais préparer les commandes et puis on se retrouve plus tard. Et voilà les petites box. Donc si ça vous intéresse de voir plus en détail la fabrication des box, je vous les avais montré dans un précédent vlog, donc je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir tout ce que je vous raconte.
Eh bien, je vous remercie d'être arrivé jusque-là dans la vidéo, de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et puis, me laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Ciao.